Alors, évidemment, je voulais revenir un peu déjà sur le salon de l'agriculture, qui a fait parler de lui un peu, parce que qui dit salon de l'agriculture dit maltraitance animale. Et c'est vrai que quand on voit comment a été traité Emmanuel Macron, en même temps, tu t'attendais à quoi? Je veux dire, tu mets pas Zemmour dans une mosquée, c'est un peu la même chose. Alors, ils l'ont pas laissé rentrer. Alors que Valérie Pécresse, elle, c'est l'inverse. Voilà. Ils l'ont pas laissé sortir. Elle est rentrée dans un enclos, lui a dit, ouais, c'est ta place avec les bovidés. Ouais, il y a Marion Maréchal Le Pen qui a pris une bière sur la gueule. Ouais. Les gens étaient outrés d'avoir gaspillé un si bon produit du terroir. Et pendant ce temps-là, t'as Jean Lassalle qui fait un paquito. Vous avez vu ? Il s'est fait porter par les gens. Là. Lui, il est en roulis total, je sais. Il n'a plus rien à foutre. Déjà, il est confiant, parce que quand même, il se jette sur les gens pour se faire porter. Je veux dire, Jean Lassalle, il est dense, quoi. Hein. C'est plus Jean Lassalle à manger que Jean Lassalle de soir. Puis il est confiant parce qu'il sait qu'il est apprécié, tu vois, et qu'il va se faire rattraper. T'as deux, trois hommes politiques, ils auraient fait ça, ils auraient fait une chime, hein, tu vois. Chime, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est quand tu te jettes dans le public en disant « je vais faire un grand câlin à la foule », puis tu fais un grand câlin en bitume. Voilà. T'as Jean Lassalle qui fait un paquito, et derrière, t'as Gabriel Attal qui est là « on peut faire une queue leu, s'il vous plaît ?» J'ai dit que j'allais faire une blague homophobe toutes les semaines. C'est mon engagement 2024. Et donc Macron, pour les calmer, a proposé un prix plancher, voilà, 4 euros le kilo de tomates. On n'a jamais vu un plancher aussi proche du plafond. Voilà, ça, ouais. Non, Macron qui part en vrille, là, il a proposé d'aller faire la guerre en Russie. Ouais. Il pète les plombs, enfin je sais pas, il fait peur à Poutine quand même. C'est son principal opposant politique est mort de vieillesse à 38 ans. Ça te donne une idée de la démocratie sur place. Hein. Ouais. Il a été enfermé 19 ans de prison pour extrémisme. C'est pas le cas. Ouais, ça se trouve, il était juste vegan, on sait pas. Ouais. C'est vrai que c'est pour faire plaisir aux États-Unis, ouais. Alors qu'ils s'en battent la race de nous. C'est... Biden, il croit encore que c'est Mitterrand ici. Ah, il est vieux, hein, Biden, en même temps. Ah, il a quasiment le même âge que Brigitte, alors, c'est de te dire. Il veut se représenter aux futures élections là, présidentielles. On lui a dit, t'es vieux. Il a dit, non, je suis pas vieux et tout. Mais mec, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale et que tu peux dire j'y étais, t'es vieux. Hein, même Trump, il veut refaire aussi, alors qu'il est vieux aussi, t'sais. On sait pas qui va gagner entre les deux. Ben, c'est celui qui sera encore vivant, hein, simplement. Alors, point sur les Jeux Olympiques. Voilà, évidemment, l'affiche des Jeux Olympiques a été dévoilée. Hein, ça fait polémique, parce que c'est pas fidèle à la France. Et c'est vrai que j'ai regardé, ils ont dessiné Marseille propre. Voilà. Il y a même pas un rat, alors que c'est quand même le symbole de la ville. Et d'ailleurs, ouais, on délocalise des étudiants là, à Paris, là, des étudiants. J'ai vu du coup un étudiant en fac de psycho qui était là, ouais, j'ai peur de finir SDF. T'es étudiant en fac de psycho. C'était le projet de base, non? Enfin, t'as juste accéléré ton cursus. Hein, 220 000 invitations. Hein, on va donner 220 000 invitations pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. T'arrives donc, t'es invité, t'arrives sur place, et t'as Aya Nakamura qui chante du Edith Piaf. Et même si t'as pas payé, t'as envie de te faire rembourser, quoi. T'as Aya Nakamura qui chante du Edith Piaf. Déjà, est-ce qu'Edith Piaf n'a pas assez souffert? Surtout qu'en plus, elle dit, ouais, chanter en français, c'est un événement mondial, donc les gens vont pas forcément comprendre. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que quand Aya Nakamura chante en français, même nous, on comprend pas, en fait. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur l'actualité. Merci.